nouveau mes abonnés, donc bienvenue dans la chaîne de Cristal. Ça va tous bien pour ça que je suis sur ma chaîne de Cristal. Voilà, voilà mes abonnés chéris d'amour, voilà. Alors, donc je vais vous parler de tout ce qui s'est passé dans le mois. Voilà. Donc, on va commencer déjà par le début. Donc, au mois de janvier, j'ai eu... Non, c'était décembre. Alors attendez, mois de janvier, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait au mois de janvier. Ouais, bon bah, je vous dirai ça tout à l'heure. Ah, donc on va commencer. Donc, j'ai vu au mois de janvier la série sur Netflix Good Girls. Donc, il y a 4 saisons et 10 épisodes. Enfin, voilà. Donc, j'ai tout vu la série. Voilà. Après, une famille formidable, j'ai vu. Donc, là, j'ai pas marqué. Donc, je l'ai écrit directement tout de suite. Voilà. Donc, je vais vous montrer après. Allez, voilà. Et je sais plus combien d'épisodes. Bon, bref. Donc, j'ai vu jusqu'à saison 12. Voilà. Et il me manque 3 saisons. Parce que je pensais qu'il y avait 12 saisons. Enfin, il n'y a pas 12 saisons, il y a 15 saisons. Donc, c'était un peu vénère. Voilà quoi. Non. Voilà comment je l'ai fait. Hein. C'est simple que ça va. Et ces films, j'en ai vu aucun. Non, j'en ai pas vu aucun. J'en ai vu aucun. Là. Alors, toutes les séries que je devais terminer, j'ai pas terminé. Voilà. À part une série, vous, c'est Good Girls, hein, vous avez vu. Voilà, donc c'est des femmes, en fait. Alors, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, voilà, parce que... bien vous parler de ce que j'ai vu. Alors, après, donc en film, je devais voir les Harry Potter. Je voulais me refaire la série, j'ai pas vu. Enfin, tous les films. Pas vu. Après, en série sur Salto, j'ai commencé à regarder Nip Doc. J'ai marqué là, Nip Doc, voilà. Disney, DVD Disney, j'ai vu aucun. Parce qu'en fait, sur Disney Plus, donc sur Disney Plus, j'ai vu au moins tout ça. Hein. C'est ce que je veux. Donc sur Disney Plus, j'ai regardé les Chicas Green, les Chicas Green 2, après Star Wars Bota, je sais pas quoi, bref, la nouvelle série, hein, bref, je l'ai vu celle-là. Il n'y avait pas beaucoup d'épisodes dans remarque, hein. Il y avait, je crois, 6. Je sais plus. Et j'ai oublié de marquer un truc qui vient de me revenir que j'ai vu. Alors, attendez. Netflix. J'ai vu une série sur Netflix que j'ai oublié de noter. Non, je vais regarder sur mon téléphone pour vous en parler de cette série parce que c'est une série qui est vraiment géniale. Et moi, je savais pas moi. Moi, j'entendais des gens qui parlaient de cette série là. Et je me dis, mais moi je savais pas qu'il y avait eu des nouveaux épisodes. Moi je pensais, je me suis dit, oh c'est bon, je l'ai vu. En fait, quand j'étais sur le site pour regarder ce qu'il y avait d'intéressant à regarder, bah je tombais là-dessus. Voilà. Pour vous dire, je tombais là-dessus. Alors j'espère que ça va y être encore sur mon truc, sinon. J'espère qu'ils vont pas me demander un code ou je sais pas quoi, parce que sinon ça va être souvent avec leur code là. Bon. Alors attendez, je la cherche. Si j'arrive à la trouver. On y va donc.
Ah voilà. Alors la série c'est En plein cœur. Donc plein cœur. Je sais pas pourquoi je dis En plein cœur, c'est plein cœur. Voilà, donc on va l'écrire. Bah, les volumes. Ils ont marqué nouvel épisode, je crois c'est saison 3. Attendez, je vais regarder ça vite fait. Oui, c'est ça, saison 3, voilà. Met S3. Voilà, pour dire saison 3, voilà. Et il y avait, je crois, 6 épisodes, c'est tout. Voilà. Donc, une série où il y a très peu d'épisodes, je déteste. Ouais, et donc j'ai trop aimé. Voilà. Donc, je vous en parlerai dans de prochaines vidéos. De Gossip Girl, si vous connaissez pas, et de plein cœur. Voilà. Et donc, j'en étais où moi? On était à Disney. Voilà, donc revenons à Disney. Donc j'étais en train de vous dire, j'étais en train de voir. Donc j'ai vu Mulan, le dessin animé, bien sûr. Le 2 aussi, parce que ça m'a. C'est un dessin animé qui m'intéresse beaucoup, voilà. Hercule, je l'ai vu en deux fois. Alors je vous raconterai pas pourquoi je l'ai vu en deux fois, parce que sinon ça va être trop galère, voilà. Parce que j'étais obligée de m'arrêter. Voilà. Au début, j'ai commencé à le regarder, puis après, il y avait un problème avec mes voisins, donc voilà. Quand vous n'entendez pas ce que vous regardez et que vous n'entendez pas ce que vos voisins chantent, je suis pas raciste, mais il faut quand même pas abuser non plus aussi, voilà. Bref, ensuite, donc j'ai regardé moitié-moitié, voilà. Et j'avais commencé à regarder aussi, je l'ai pas noté là, Alice au Pays des Merveilles, mais je l'ai arrêté pour la même chose, parce que encore mes voisins. Se sont amusés encore à faire du karaoké. Et pourtant, j'habite. Voilà. Et mes voisins sont pris un cœur joie de faire du karaoké. À presque minuit. Des fois, c'est bien plus que ça. Des fois, je vais chez des voisins, des fois, il est 2 h du matin. Voilà. Quand vous avez votre fils qui travaille, et ben. Enfin, travaille entre guillemets parce qu'il fait un stage. Voilà, et donc je voulais bah, que ça aille bien reposer pour faire son stage et tout ça, voilà. Et ben, pas possible. Donc franchement, les voisins, ils ont aucun respect pour vous. Ils ont aucun respect pour quoi que ce soit. Voilà, moi je vous le dis. Bon, bref. Alors, j'en étais où moi? J'en étais là. Donc, j'étais en train de vous expliquer un truc, voilà. Donc. Voilà tout ce que j'ai vu sur Disney+. Et c'est dommage qu'ils n'aient pas mis sur Disney+, Venom, parce que j'ai jamais vu le 1 et j'aurais bien aimé le voir. Voilà. Ils vont sortir un 2 de. Je sais plus, un truc de. Marvel, bref, je sais plus. Voilà. Et je sais plus le nom du tout, parce que j'ai entendu ça sur la chaîne de Ludo. Ludo, c'est Ludo prend un livre et détends-toi. Voilà, que j'adore. Que je kiffe énormément du dos, voilà. Donc voilà quoi. Et je vais vous dire combien j'ai eu ces mois-ci d'abonnés en plus. Voilà, parce que j'ai une application qui permet de voir ça. Et depuis que j'ai cette application-là, mais c'est révolutionnaire. On m'a dit que c'était révolutionnaire. Et c'est, je l'ai confirmé. Je peux vous le confirmer. Les amis, les amis, les amis. Je regarde là et je vois que ça, on était à 147 abonnés. Ça me passait à 149 abonnés. Donc à chaque fois, j'ai 2 abonnés en plus à chaque fois. C'est peu, mais pour moi, c'est beaucoup pour moi. Voilà, si vous me comprenez. Donc attendez, on va regarder, on va regarder. Alors, on va regarder ici. Je crois que c'est ici qu'il faut regarder, je crois, parce que c'est marqué.
Non, c'est pas ça. Je sais plus comment on fait. Ah voilà. Encore, j'ai eu encore plus 15 abonnés ce mois-ci. Vous voyez? Plus 15 abonnés ce mois-ci. Encore. Voilà. Donc à chaque fois, je vais l'écrire ici. On va aller voir parce que j'ai oublié de le mettre. Voilà. Donc. Plus 15 abonnés, voilà. On est bien. Voilà. Donc plus 15 abonnés, oui, ça fait quand même. Ça fait pas mal quand même. On a qui prend 500 abonnés par jour. Donc on va pas se plaindre. Pardon, donc je sais pas. Voilà. Il est marqué plus 15 abonnés. Donc on va reprendre le mois de abonnés décembre. J'en étais à 121. Plus janvier. Janvier, j'en étais à 136 déjà. Plus 15. Moins 3. Je sais plus du tout. Attends, ce qu'il faut que je note. En tout cas, je vais noter aussi. Hop, pour les abonnés. Voilà. Faut que je note combien j'ai d'abonnés en ce moment. Voilà, parce que c'est bien beau de dire plus 15 abonnés, mais. Donc plus 15 abonnés. Non. Merci. Merci, merci, merci beaucoup. Mes abonnés. 149 abonnés. 149. Voilà. Voyez, alors, à la fin de chaque mois. Et donc à la fin de chaque mois, on calcule tout qu'on va mettre sur le début du mois d'après, mois prochain. Si vous me suivez, voilà. Comme ça, au moins, le mois d'après, on met, vous voyez, chaque mois, on va mettre le nombre d'abonnés que j'ai à la fin du mois pour commencer le nouveau mois. Et ainsi de suite, comme ça, voilà. Comme ça, au moins, on dit, bah, tu repars un nouveau mois. Parce que je pense pas que tu vas repartir un nouveau mois avec un nouveau chiffre. Voilà. Donc, tu repars avec la fin du mois. Tu commences avec tout ce que tu as eu dans le mois dernier. Hop, tu le mets de nouveau pour le nouveau mois. Voilà. Et après, tu continues. Voilà. Et ben, je suis très fière de moi parce que moi, je ne m'attendais pas à ça. C'est vrai, ça ne monte pas aussi vite que j'aimerais que ça monte. Mais, par exemple, j'aimerais prendre ça, ça y est. Par exemple, 50, après 55, 60. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ça monte de 55 en fait. Et si dans le mois ça me faisait ça, bah j'avancerais plus vite. Mais bon. Voilà. Donc c'était tout ce qu'il y avait pour le mois de janvier. J'allais dire autre chose. Voilà. Dans mon billet de journal. Là, donc c'est tout ce qui s'est passé dans le mois de janvier dans mon billet de journal. Voilà. Le titre va se prénommer Bullet Journal du mois de janvier. Voilà. Donc ça va être Bullet Journal du mois de janvier. Voilà. Et après, je vous retournerai une autre vidéo un peu plus tard parce que là, j'ai pas eu le temps vraiment de faire. J'ai fait le mois de février, mais j'ai presque rien fait, voilà. Et j'aimerais bien faire des jolies choses, des jolis encadrements, des jolies choses, voilà, bref. Bon, allez, bonne nuit, mes abonnés.
Donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Et moi je vous donne rendez-vous au mois de février. Donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. Et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Crystal.